second reading from 2 Corinthians. La deuxième lecture se trouve dans le livre de 2 Corinthiens. Chapter 6. Chapitre 6. From 14 to 18. De 14 à 18. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? What does a believer have in common with an unbeliever? What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them. And I will be their God and they will be my people. Therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. I'll be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Il a promis qu'il préparera une place. Et il reviendra nous emmener à la maison. So that where he is, there we shall always be. Et là où il sera, là nous serons. Again, God wants to be with people he has created. Voyez, Dieu veut être avec les personnes qu'il a créées. God did not create us to be separated from him. Dieu ne nous a pas créés pour être séparés de lui. God did not create us for Satan. Il ne nous a pas créés pour ça. God did not create us for this world. Il ne nous a pas créés pour ce monde. He created human being for himself. Il nous a créés pour lui-même. And he wants to glorify himself in every human being. Et il veut se glorifier dans chaque so être through humain. Christ Jesus, God is calling all people to himself. Donc à travers Jésus-Christ, Dieu appelle tout chacun. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. So soon and very soon our Messiah is coming again. Et bientôt, très bientôt, notre Messie reviendra. And he's going to take us with himself and we will live with him forever and forever and forever and forever. Il va nous emmener avec lui, nous allons vivre avec lui so à jamais, à jamais, à jamais. That must be your mind as a believer. Et donc ça doit être ta pensée en tant que chrétien. That must be your preoccupation as a believer. Ça doit être ta préoccupation en tant que croyant. We are not living on this earth forever. Nous ne vivrons pas ici pour toujours. We are passing through heaven is our home. Amen. Nous sommes des passants et le ciel est notre maison. So make up your mind now. Donc décide-toi maintenant. And get ready now. Et sois prêt. For the soon coming of our Messiah. Pour le retour de notre Messie. But God wants to bring you into himself, to himself. Dieu veut te ramener. Laisserai point, je ne t'abandonnerai point. That message is also to you and to me and to the church of the living God. Ce message est aussi pour toi, pour moi et pour l'église de Dieu. Fear not, be not discouraged. Ne crains point, ne sois pas découragé. As I was with Joshua, so am I with you. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Jesus Christ the same yesterday, today and forevermore. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. What he did with the disciples of all, he will do it with us today and tomorrow. Ce qu'il a fait avec les disciples, la même chose il fera so avec nous. So God is the mighty one of the universe is with you and Amen. In you. Que le tout-puissant de l'univers est and avec toi. And if God be for you, who can be against si you? Si Dieu est avec toi, qui peut être contre in toi? In Christ, you are more than a conqueror. Amen. Et il est plus que vainqueur. So understand that God is with you. Donc comprends que Dieu est and avec toi. And because God is with you, all things are be well with your soul. Et si Dieu est avec toi, toute chose sera bien avec toi. Amen. So God is saying that He is with you. Donc Dieu dit qu'il est avec toi. People who are with Obama may be rejoicing. Les gens qui sont avec Obama peuvent se réjouir. Premier of Canada may be rejoicing. Ceux-là qui sont avec le Premier ministre du Canada peuvent because se réjouir. Because they have access to the corridors of power. Parce qu'ils ont accès aux corridors du pouvoir. But what if you are with the living God? Mais qu'est-ce qui se passe si tu es avec le Dieu vivant? God who created the heavens and the earth. Dieu qui a créé le ciel et la terre. God who has all the power in the universe. Celui-là qui a tout le pouvoir de l'univers. God who can do all things. Dieu qui peut tout faire. You are more than privileged to be a child of God. Tu es plus que privilégié d'être un enfant de Dieu.
privilégié d'être un enfant de Dieu. To be with the living God. Tu es plus que privilégié d'être avec le Dieu vivant. Who has the final say in the universe. Lui qui a le dernier mot dans l'univers. The one who can lock and unlock. Lui qui peut fermer et ouvrir. May the Lord reveal himself unto you. Que le Seigneur se révèle à toi. May the Lord open your eyes to see that he is with you. Que le Seigneur ouvre ta pensée pour que tu vois qu'il est avec toi. There are many people who commit suicide. Il y a plusieurs personnes qui commettent le suicide. Because they think that they are alone and they don't have anyone. People don't love them. Parce qu'ils pensent qu'ils sont seuls, ils n'ont personne et les gens ne les aiment pas. But if you know that the Lord is with you, that will not cross your mind. Si tu sais que le Seigneur est avec toi, ce seul, because God is more than a million people around you. Parce qu'il y a plus que des milliers de personnes autour de toi. God is with you, my brother, my sister. Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur. And because he is with you, it will be well with you. Parce qu'il est avec toi, tout est bien avec toi. So receive the promise. Reçois la promesse that God is with you. Que Amen. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Les choses ne marchent plus pour nous. When there are unmet needs. Quand il y a des besoins. When we lose loved ones. Quand on perd les personnes aimées. When we lose jobs and the things that are valuable unto us. Quand on perd notre travail ou les choses qui sont valables. When we go through issues and distresses of life. Quand on rencontre les détresses de la vie. Sometimes we wonder if God is with us. Il y a des moments où on pense, on se demande si Dieu est avec nous. God understands that because he knows our flame. Mais Dieu comprend cela parce qu'il sait notre besoin. That we are flesh and blood. Il sait que nous sommes faits de chair et de sang. God wants to remind you and me again. Mais Dieu veut te rappeler à nous that we do not know.